De passage à Toulouse en ce début juillet, nous n'avons pas pu résister à l'envie d'interviewer rapidement Christian Constant à propos de son nouvel établissement, le Bibent. Le Bibent, c'est d'abord une histoire, quoi, parce que c'est situé place du Capitole, la plus belle place au monde, on va dire, sans prétention. Et alors le Bibent, on a restauré ce restaurant, tout a été refait à la feuille d'or. Pendant 7 mois, des jeunes filles ont passé au pinceau chaque fleur, chaque feuille, chaque laurier. Et elles ont refait les peintures, les dorures. Bien sûr, quand on aime, on ne compte pas. Et quand on est cuisinier, on aime faire la cuisine, on aime les gens. Et je crois qu'ici, ça nous a coûté 1,5 million d'euros de travaux. On n'a pas été aidé par les Bâtiments de France. Donc maintenant, on est obligé de bien travailler pour pouvoir vivre. Et les Toulousains sont très contents parce qu'ils avaient peur à un moment que ça change d'attribution et qu'on se retrouve avec une banque ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai que les Toulousains avaient peur qu'il y ait un restaurant fast-food, qu'il y ait une banque. Mais j'ai tenu bon. Puis pour moi, c'est un peu le retour aux sources. Je suis natif de Montauban. Donc à 40 km, c'était un rêve d'enfant voilà, qui se réalise. D'accord. Et donc là, on a une équipe de télévision japonaise. Ça fait même pas un mois que vous êtes ouvert. Ça fait exactement, on a ouvert le 8 juillet. Et déjà, la télévision japonaise qui arrive, donc c'est bon signe parce que quand les Japonais arrivent, les autres ne sont pas loin. Ah oui, Bibibibet. Voilà. Le Bibet. Ce qui veut dire de bien boire et bien manger, bien fumer et bien dormir. Ouais, ça va aller. Hein. C'est bon? Ils sont où là? Faut leur amener ça là. On se croirait dans un 3 étoiles, hein.